Bonjour, mon nom est Laurie Rousseau-Neptune et je suis astronome. Mes recherches que je fais ici à Hawaï avec notre télescope portent sur la formation des étoiles. Donc, j'essaie de comprendre comment le gaz dans l'univers se transforme par gravité pour former des nouvelles étoiles comme le Soleil, mais aussi des étoiles qui peuvent être plus petites ou plus grosses. Puis pour ce faire ça, j'utilise une caméra qui s'appelle CITEL, qui a été conçue au Canada, en fait au Québec, et qui est unique au monde, puis on l'a ici sur notre télescope à Hawaï. J'observe environ une quarantaine de galaxies proches de la Voie lactée pour observer à même elle les différentes régions où il y a de la formation d'étoiles. Puis on est capable d'en observer des milliers et des milliers. Et j'essaie de comprendre comment justement ce processus-là de formation d'étoiles se transforme ou change, devient plus ou moins efficace, dépendamment de où est-ce que les étoiles se forment en fait dans les galaxies, puis aussi quelle est la composition chimique du gaz et tous les paramètres en fait qui pourraient affecter leur formation puis leur vie. Donc une journée typique pour moi comme astronome dans un télescope à Hawaï, ça comprend en fait trois volets. C'est sûr que, premièrement, je peux faire ma propre science, je peux observer mes données puis les analyser et faire ma propre science. Je peux aussi aider les astronomes d'un peu partout dans le monde à utiliser notre télescope. Puis justement, à s'assurer que chaque personne peut observer l'objet qu'il veut dans le ciel et aussi qu'ils ont la qualité des données qu'ils ont besoin pour leur science. Puis ensuite, ça c'est vraiment la troisième partie, un travail d'équipe avec toutes les gens qui travaillent pour le télescope. On est environ une cinquantaine, donc des ingénieurs, des astronomes, des gens d'opération, des mécaniciens, électriciens, des gens de software qui s'occupent de la base de données et des outils informatiques. Et on travaille toujours constamment à essayer d'améliorer les systèmes, de les rendre plus efficaces, d'améliorer les caméras aussi, d'améliorer le fonctionnement du télescope pour que la qualité des données soit toujours la meilleure possible. Puis, le fait d'être en plein milieu de l'océan Pacifique, ça fait aussi qu'on travaille avec des gens d'un peu partout dans le monde qui sont dans différents fuseaux horaires. Donc, on doit céduler nos réunions en fonction justement des horaires d'un peu tout le monde, que ce soit en Asie, en Europe, partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment... ça se fait quand même assez bien, en fait, étonnamment. Et ça m'amène aussi à collaborer avec des gens d'instituts de recherche d'un peu partout. Et puis, la partie, je pense, qui est la plus motivante pour un astronome, c'est sûr que c'est mes propres recherches. Mais le fait que, justement, je les fais sur place, puis que je peux utiliser mon expertise que j'ai, dans le fond, avec le télescope, pour aider d'autres gens aussi, ça rend ça super motivant. Pour moi, c'est comme une pierre d'un coup, parce que je peux faire mes propres recherches, développer, justement, mon expertise avec l'instrument que j'utilise, puis les différents instruments que je supporte ici au télescope. Et ça me permet justement d'utiliser cette expertise-là puis de l'exporter justement avec mes collaborateurs, de leur donner un coup de main quand que je peux. Puis ça fait aussi que je touche à différents aspects de l'astronomie. Parce qu'un astronome, généralement, c'est super spécialisé dans un coin de la science. Et le fait que justement, j'aide des gens à faire des observations de différents objets pour faire différents types de sciences en astronomie, mais ça me garde connectée en fait à tous les domaines de l'astronomie, que ce soit de la cosmologie, de l'observation des galaxies, de l'observation des étoiles, de l'observation des exoplanètes et même du système solaire. Puis ça, c'est une chose que je ferais pas nécessairement si je travaillais dans un institut de recherche ou pour une université. Ma famille puis mon éducation, c'est sûr, a eu vraiment un impact important. Quand j'étais très jeune, on passait beaucoup de temps en nature, à faire des randonnées, à aller à la pêche, à la chasse, à faire du ski de fond. Puis, tous les moments où on passait, dans le fond, en nature, à observer les choses, à essayer de comprendre comment la nature fonctionnait, bien, ça l'a vraiment éveillé ma curiosité scientifique. Puis, dans un sens, je pense que c'est plus ça qui m'a poussée à aller faire des recherches en astronomie par la suite. Parce que j'ai commencé très jeune à développer cette curiosité-là. Puis oui, c'est vrai qu'on est curieux de nature, mais je pense qu'on devient encore plus curieux si on laisse cette curiosité-là un peu se développer. Et puis, maintenant que je fais de la recherche, j'aime ça justement chercher différentes choses, que c'est comprendre l'univers de différentes façons. Puis on continue à l'observer avec notre télescope à l'observatoire. Et pour moi, c'est un peu une extension de faire une randonnée en plein air et de regarder les animaux, les oiseaux, la nature. Puis ça se fait de façon très naturelle.
Chez les Innus, ben, le lien avec la nature puis le territoire est super important. Puis essayer de comprendre justement les choses autour de nous pour mieux justement survivre puis mieux vivre en harmonie avec elles. Fait que je pense que les deux se marient très bien, mais je pense pas nécessairement que c'est pour ça que j'ai choisi ma carrière. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire une carrière en sciences, qui se sentent scientifiques, mais qui font face à des problèmes, que ce soit que des gens les découragent ou qu'ils aient des idées préconçues comme quoi il faut être bon en telle ou telle matière pour pouvoir faire une carrière en sciences. Eh bien, c'est faux. tout le monde peut faire une carrière en sciences. C'est pas vrai qu'on doit être un surdoué. Je pense que la seule qualité qu'on doit avoir, c'est vraiment d'être curieux et motivé. Parce que dans le fond, la motivation, ça t'amène partout. Moi, j'ai souvent dit aux gens autour de moi que j'avais suivi la vague. Parce que dans le fond, c'est dur à chaque fois, c'est un peu tumultueux. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, en fait, pour se rendre justement vers une carrière scientifique. Mais le tout se fait calmement, doucement, il faut juste suivre la vague. Et s'il y a des gens qui vous découragent, ne les écoutez pas. Je pense que ces gens-là ne voient pas le potentiel que vous avez. Et le potentiel, il y a juste toi, en fait, qui peux savoir que tu l'as. Et il faut vraiment, vraiment suivre sa passion jusqu'au bout, parce qu'après ça, on peut le regretter si on ne l'a pas fait. Donc moi, je n'ai aucun regret. J'ai suivi ma passion et je suis là aujourd'hui pour travailler en astronomie. Et puis en plus, je le fais à partir d'Hawaï. Puis je travaille dans un télescope, puis pour moi, c'était vraiment la carrière idéale. Puis je l'ai justement parce que j'ai suivi mon instinct, puis j'ai pas écouté les gens qui m'ont découragée. Puis à travers les gens qui m'ont découragée, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont encouragée, donc il faut vraiment écouter ces personnes-là, il faut se focaliser sur le positif, puis ça peut vraiment nous mener loin.